m'a appris que cette Jamara porte en elle autre chose que la souffrance. C'est toi qui sèmes l'espoir, c'est toi qui insuffles la confiance. Ils se battront et tomberont, mais un jour, ils marcheront vers la liberté. Nous sommes des voyageurs, nous parcourons des kilomètres. Nous sommes des survivants, entraînés pour résister aux conditions difficiles. Tu as traversé les frontières physiques et les frontières des cœurs et des âmes. Tu as porté et supporté des personnalités aussi belles que la création des cieux et de la terre, et aussi laides que la création du mal et de ses partisans. Tu possèdes une baraka qui te provient du tout miséricordieux et qui te maintiendra encore et toujours. Tant que le divin me prête la vie, je te serai fidèle en guise de remerciement de la réforme qui a opéré. Nous sommes des profilers, nous voyons tout sans nous faire voir. Nous sommes des spécialistes en thérapie, nous étudions notre ennemi pour mieux le détruire de l'intérieur. Nous sommes les Ghostbusters. Quand j'essayais de survivre face au gouffre des mots de la vie qui enchaîne, sans pouvoir poser les mots sur les incompréhensions par la linguistique des épreuves, il s'est avéré difficile de personnifier le mal de Satan qui se cachait et se frottait les mains. Tu prônes d'être acteur de sa vie en livrant bataille à la monotonie. Stop à la torpeur physique et mentale. Ouvre la porte à la lumière et les ténèbres fuiront aussi vite. Les ténèbres n'existent que par l'absence de lumière. Le diable n'a de force qu'à cause de notre faiblesse. Il est plus que nécessaire de reconquérir sa personnalité. Nous sommes des étrangers, loin de notre terre natale. Tu répètes souvent que la vie est courte et qu'elle ne vaut la peine d'être vécue que lorsqu'elle vise à se challenger. Alors tâchons de relever les challenges de la vie. Il y a tant de projets à mettre en place et d'autres à soutenir, comme ces orphelins du Shem. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton prochain? Tu te trompes si tu crois faire grâce de tes richesses, car ils sont un pont direct entre toi et l'agrément divin. Nous avons besoin de faire acte de charité. Nous sommes des aventuriers, nous ne reculons devant rien. Gonflé de sa poitrine, en respirant l'air pur au sommet à plus de 3000 mètres d'altitude, après près de 12 heures à gravir cette splendide, prestigieuse, orgueilleuse montagne, je lève mes mains pour accueillir cette proximité divine. Repousse tes limites, aie confiance, libère-toi de tes chaînes comme Mountain Hove, née de la rencontre entre une terre fertile nommée Hayet et un profil aventurier à l'esprit voyageur. Nous sommes les soldats de Dieu. Tu m'as enseigné que la véritable vie, c'est celle dans laquelle je choisis de me réconcilier avec le divin. Je me plaignais et m'attristais du manque de constance, d'une foi sinusoïdale et instable, de l'éloignement du divin, là où mon âme criait famine, je n'avais que larmes et regrets à lui donner. Il y avait un plafond de verre entre toi et moi, ou plutôt de moi à toi. Ma foi n'était-elle que prétention ? Ma foi n'était-elle que prétention. Wa billahi ta'ala at-tawfiq.